Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de The Prince of Persia. La dernière... Ah oui, donc la dernière fois on s'était... que je vous montre, on était arrivé... Alors, je m'excuse pour les pour l'ancien épisode. Ou les deux derniers, non, je crois que c'est plus... Ouais, entre les deux derniers et celui... Et l'avant-dernier, enfin... Entre le dernier et l'avant-dernier. Hein. Parce que comme un débile bête... un idiot bête, pardon. Je n'avais pas vu que c'était écrit juste au-dessus de moi ce que je devais faire. Donc, explorer la haute citadelle. Donc, on est arrivé en haute citadelle. Je pense que c'est ici. Donc, on s'était arrêté là. Entre-temps... Avec le problème que j'ai eu, j'ai retrouvé la fille et j'ai récupéré le plan que j'avais pris et que j'avais oublié de sauvegarder et que le jeu avait planté et que voilà, pas à couvain. Donc du coup, bon, on y go. Pardon. Alors, je sens que ce passage-là, il va se passer quelque chose, donc. Attends, ils étaient pas censés être ensemble? Ces ennemis-là, ils étaient pas censés être avec elle? C'est bizarre. Te voilà enfin. Et qui ça? On se connaît? On s'est déjà vu souvent, dans le passé et dans le futur. Désolé le vieux, mais j'ai vraiment pas le temps pour ça. Pas le temps? Encore heureux que tu n'aies pas le temps. Personne ne possède le temps, Sargon. Tu connais mon nom? Tu n'as pas le temps, je n'ai pas le temps, personne n'a le temps. Bien sûr qu'il connaît ton nom, il vient de te le dire, il t'a croisé dans le passé, dans le futur. Bon, apparemment, à part ça, il m'a rien dit de... Donc là aussi, ça va dehors. Ah, on peut monter par ici. Donc du coup, on va grimper. Hein. Ah. Je suis un peu bête, mais c'est pas grave. Vous me connaissez à force. J'aime à dire que je suis un idiot bête. Ok, et là... Ok. J'aurais pas dû aller à gauche. Ah.
J'ai refait la bêtise. Ah, c'est bien ça. Une pierre de téléportation. Oh. Excusez-moi, je baille vulgairement, mais... Qu'est-ce à dire que ceci... Ah, c'est un ascenseur qui m'emmène par là-bas. Du coup... Je suis curieux. Voilà. Non mais j'ai bien fait de venir parce que au moins je sais qu'ici c'est fermé. C'est tout le sel de ce jeu, hein. Faire des allers-retours. Se dire ah je suis coincé, comment je vais faire, se dire ah je suis coincé, je reviendrai plus tard. Bah du coup on monte. Ouais, je me suis bien rattrapé. On va passer par là, on verra bien. D'accord. Donc là, il y a une salle... Il y a une salle bizarre. Allez voir ce qu'il y a en haut. Hassan ne doit plus être très loin. D'accord, donc Hassan. Bien. Pardon. Mercredi. Pas monter là. Là ça s'accroche pas. Et là-haut ça s'accroche pas. Bon. Du coup je vais passer par là. Avance Hassan. Si tu ne joues pas les héros, aucun sang ne sera versé. Écoute-moi. Hassan va venir avec moi. Laisse, Sargon. Je m'en occupe. Merci, Varam. Anahita, de grâce, déposez vos armes. Varam ? Non ! Hassan ! Anahita... Qu'est-ce que tu caches? Comment oses-tu, Varam?
Tu as tué notre prince. Où est ton honneur? Honneur, devoir. Nous avons tous du sang sur les mains. Tu n'es pas différente. Je ne convoite pas le trône, et je ne m'en prends pas aux innocents. Tant que je serai vivante, tu n'auras jamais la couronne. Très bien. Anaïta, va-t'en! Pourquoi t'as tué le prince? Hassan n'était qu'un pion. Tu ne me fais pas confiance? Alors c'est vrai, tu veux le trône. Qu'est-ce que tu comptes faire? Exactement ce que tu m'as appris. Ok, moi je voulais pas l'affronter lui parce que je l'aimais bien. Du coup, bah je comprends plus rien. Je suis dégoûté. Aucune chance. Qu'est-ce qui m'a fait? M'a stoppé dans... J'ai voulu faire ma super. C'est toi qui as voulu ça, Sargon. Ok. Sois témoin. Coco, sois témoin. Ah, on doit mourir. Mon tour. Ouais, on doit mourir, c'est obligé. Mais je lâcherai rien parce que on ne sait jamais. À chaque fois que je veux le faire, il me... Ok. Maintiens. Plus aiguisé que tes épées, Sargon. On l'a touché. Il y a une première fois pour toi. Tu perds ton temps, Sargon. Tu ne peux rien faire pour m'arrêter. Je peux effacer chaque chapitre, chaque mot de ton histoire. Je peux tout détruire. Je suis le roi légitime. Tu dois l'accepter. Tu peux encore changer d'avis, Sargon. C'est fait.
Pourquoi il est pas revenu en arrière avant qu'il se fasse balafrer? Par contre, il est énorme. Hein. Tu es une arme forgée pour servir la Perse. C'est le plus grand honneur qui soit. N'oublie pas Sargon. Je m'appelle Sargon. Je viens défier en duel le lion blanc de Persépolis. Mais d'où est-ce que tu sors, jeune cutéreux? Baissez vos armes. Général Neit. Reculez. Vous n'êtes pas de taille. Et à qui devrons-nous remettre ton cadavre, jeune homme? Abandonnez-le sur les berges de l'Arras ou dans les plaines de Yazd. Ça m'est égal. Qu'est-ce qui t'amène, jeune guerrier? On dit que vous êtes le plus grand guerrier de toute la Perse. Alors, je viens prouver qu'il n'en est rien. Voyons ça. Tu ne manques pas de bravoure, Sargon, je le reconnais. Et la bravoure est dans le sang des immortels. Oh, je suis encore vivant. Varam, comment a-t-il pu nous trahir à ce point? Kaïs. Où est Layla? Qu'est-ce qu'il y a au bout de ta lame? Pour l'instant, le sol. La colère t'aveugle, Sargon. Hassan est mort. Les immortels ont échoué. Victoire, échec. Pourquoi vouloir absolument donner un nom à chaque caillou sur ton chemin? Hé hey, rends-moi l'œil, c'est le mien. Donc je disais, Varam, ou je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, dans son combat, il faisait très... très samouraï. La façon dont il dégaine seulement son arme pour découper tout ça. Par contre, c'est pour ça qu'en fait, quand je faisais ma super, il se la prenait pas. Comme il contrôle le temps, il avait le... Bah, il bloquait le temps, il arrivait, il me bloquait. Mais Ok, j'ai pas de carte. On va aller rechercher l'œil. Hein. Ça, hein, je reviens en arrière. De toute façon, je vais revenir en arrière. Bon, j'ai utilisé mes popos. Bah, de toute façon, ils m'ont rendu mes popos et ma vie. Mais il me restait pas longtemps. Quand on le tapait, on le touchait. Donc, si j'arrivais à faire des bonnes esquives, normalement, je pouvais l'avoir. Mais de toute façon, ça changeait rien. On pouvait perdre. Donc, mais on est retourné dans les égouts là. Ok. Soupra. Un jouet d'enfant. Vestige d'un temps où les enfants pouvaient jouer dans les rues de la citadelle. Fait une vieille femme dans ces bas-fonds putrides et infestés de vermine. Personne ne se soucie des anciens. Le présent avance aveuglément, effaçant le passé. Nous appartenons à des temps révolus. Nous sommes les oubliés. C'est peut-être pour cela que nous avons survécu. C'est dommage.
Après tout, le passé peut toujours éclairer le futur. Peut-être bien. Saurais-tu me dire ce qui s'est passé ici, sur le mont Kaf? Bien sûr. Mais tu dois d'abord faire quelque chose pour moi. Tous mes enfants sont morts. Tués par Erlik, le dieu sanglier, serviteur de l'enfer. Il doit payer. Erlik a pris ma famille. Prends-lui la vie. Je te promets de te raconter l'histoire de ce lieu. Ok. Je ne quitterai pas les profondeurs. As-tu trouvé ? Bon, je peux pas regarder sur la carte parce que bah, je l'ai plus. Donc, bah donc on va descendre. Un médaillon perdu. On va passer par là. Bah, il a bien fait de sauter, lui. Bon, j'ai pris à gauche, hein. Je sais pas si c'était à gauche ou à droite. J'ai l'impression que ça mène au même endroit. On va aller à l'arbre. Voilà. Bon, en tout cas, je l'ai ouvert, on verra bien.
pas l'impression que ce soit par là. Ah, c'est là. Non mais j'y viens d'ici. J'ai pas fait attention. Désolé. Tu as d'Exerxès ? D'Exerxès ? Je n'accepte que l'Exerxès ! N'essaie pas de me refiler tes cristaux ! J'en prends pas, t'as compris ? Pas de cristaux ! D'Exerxès et pas de cristaux. Je crois que le message est passé. Bon alors, qu'est-ce que tu veux ? J'ai à peu près tout ce qu'on peut trouver dans un caniveau. Tout finit toujours dans les égouts. Même les trésors. D'Exerxès, je n'accepte que les... Ouais, ouais, on a compris. Une clé perdue. Donne accès à un étage dérobé dans l'ascenseur de la citadelle. D'Exerxès, j'en ai trois. Et après... Restaure progressivement la santé. Mais les dégâts de mêlée sont diminués. Augmente grandement la puissance des attaques de mêlée. Mais réduit la santé maximale à une valeur misérable. Là, il y a deux trucs qui vont pas. Permet de voir les barres de vie des ennemis quand ils sont frappés. À la rigueur, ça peut être pas mal pour les créatures, mais... Je pense que je vais acheter ça. C'est pas mon problème si tu meurs, tant que tu me paies. On m'a laissé pour mort. Comme tout le monde ici-bas. Certains disent que le gouffre est le pire endroit de la cité. Je sens que ce lieu se nourrit de misère. Il se nourrit de pire que cela. Les âmes les plus noires y rôdent. La malédiction n'a fait qu'attiser leur faim. J'ai acheté une clé. On verra bien. Ça me servira un de ces jours. Bon. Petite lampée. Mais où est parti le mec qui m'a piqué mon... Il est peut-être pas là. Oh bon, on m'a tué, super.
Exercice. Non, c'est bon. Ça l'a compté. Je suis un débile, je suis un idiot bête, je ne regarde pas ma vie, je fais n'importe quoi. En plus je peux... Ces projectiles je peux les renvoyer. Je voulais me remettre de la vie, mais je voulais virer ces trucs, mais... Cette route vers le haut pour atteindre l'ascenseur. Lâche ça. Ok, c'est bon, ça va. Non, je crois qu'il est parti sur la droite. Ah oui, vas-y. Je vois pas ce que ça ouvre. Ok. Tant pour moi, je viens de comprendre.
me suis trompé. Non, je crois qu'il est... Il est passé par là, mais... Ah, il est là. J'ai pas l'impression qu'il soit par là. J'ai l'impression qu'il faut descendre. Plutôt rapide pour un vieux. Vu que je récupère ma carte, sans ma carte, je suis paumé. Ah, petit lag. Je suis perdu là. Je sais pas par où il faut aller. D'accord, je viens de comprendre. Enfin, je viens de comprendre. C'était pas très difficile, mais il me faut toujours... Il me faut toujours plusieurs tentatives. Mais il va se barrer jusqu'à où quoi?
On était les mêmes personnes. Seulement, j'ai suivi un autre chemin que toi. Hein? Comment ça? Le temps n'est plus une rivière qui suit son cours. C'est un océan déchaîné, où tous les destins possibles se croisent. J'ai aussi tenté de retrouver le prince. Mais le Moncaf est en train d'avoir raison de moi. Tu as trouvé les pouvoirs du Simorgh. Je peux tous nous sauver. Donne-les-moi! Non! Tu as déjà eu ta chance et apparemment tu l'as laissé passer. Je peux faire mieux que toi. Donne-moi tes pouvoirs! J'ai appuyé, j'ai voulu le parer pour remettre de ma vie. Remettre de la vie, mais... J'ai paniqué, en fait. Il m'a enchaîné, j'ai paniqué. Mort. Depuis tout à l'heure, j'essaye de faire ma super, elle veut pas sortir. Je suis déçu là-dessus. Oh, le mec il me faisait des esquives de super. Tire un rayon puissant qui transperce ses ennemis, maintenir X ou Y pour viser précisément et relâcher pour tirer. De quoi ça s'agit? C'est une super niveau 2.
Eh ben, la super niveau 2, c'est pas comme les autres. Ah d'accord, il faut que je le fasse. Est-ce que je mettrai pas celle-là? En fait, il faut que je fasse... Quand je suis en 2, il faut que je fasse... L... Épisode devient long. L2 X comme la super normale, sauf que c'est ma super level 2. Et après, je reste appuyé pour faire ma super. Ouais. Bon, sur ce, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau épisode. Prenez soin de vous et à ciao les amis.